Yo, la famille CEADO, j'espère que vous allez bien. Les frérots, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo défi création d'équipe. Les gars, pour ceux hier qui étaient sur le live, sincèrement, je suis pas encore remis les gars. On était qu'à un seul match du top 100, on était bien parti. On a gagné le premier match en ultime, le reste on l'a fait en légende, ça s'est très bien passé. Et au final, on se fait scripter comme pas possible sur le dernier match, sur les 9 match qu'on a fait, 8 victoires, une défaite. Franchement, j'étais très dégoûté. Enfin bref, c'est pas grave, aujourd'hui on est là pour le défi création d'équipe MVP MLS pour la carte de Valérie. 72 de vitesse, 87 de tir, 87 de passe, 85 de dribble, 42 de défense et 70 de physique. Très jolie carte pour Valérie. Personnellement, avant même de faire le défi, je suis allé voir les attributs du joueur et il a des attributs vraiment très intéressants que je vous montrerai à la fin de la vidéo. On sait tous que ces joueurs-là sont excellents. Les MVP, on l'a eu avec Christiansen, Maguire. Et franchement, je suis vraiment pas déçu d'avoir fait les défis. C'est parti les frérots, encore une fois sur PS4. J'ai essayé de vous composer l'équipe la moins chère. C'est parti. Mon équipe sur PS4 devrait vous coûter en ce moment 20 500 crédits. Alors les frérots, j'ai préféré garder mon Demirel. J'ai préféré garder les boosts qui vont plus augmenter le niveau prix dans la semaine à venir, etc. Et utiliser ce boost là qui coûte pas grand chose, 13 250 crédits seulement aux enchères sur PS4. Enfin bref, donc pour composer ce défi, il fallait 6 joueurs de MLS minimum, un joueur de l'équipe de la semaine, 5 nationalités minimum, une note générale de 76 et un collectif de 90. Mon équipe est composée de Tim Howard, Javi Lopez, David Lopez, Matt Hedges, Sean Francis, Gonzalo Melero, Osvaldo Alonso, Adrian Nbarba, Jonathan Dos Santos et enfin pour finir l'ancien Barcelonais David Villa. Encore une fois la famille, si vous composez la même équipe que moi, vous pourrez la soumettre sans aucun problème. Vous avez 6 jours pour compléter ce défi. Je soumets l'équipe et je récupère ma récompense MVP MLS. Défi MVP MLS réussi, on récupère la carte de Valérie qu'on devra tester sur le prochain live. Pourquoi pas? On va aller regarder ses attributs avant de finir la vidéo. Les mecs, regardez-moi ça. 3 de gestes techniques, 3 de mauvais pieds, rendement attaque élevé, défense moyen, ce qui est intéressant. Et enfin, pour les attributs, 93 les frérots de placement offensif, 83 en finition, 89 en puissance tir, ce qui est énorme. Mais les mecs, 94 de tir de loin, placement offensif 93 et tir de loin 94, c'est pire que Cavani, SBC, centre 85, précision coup franc 87, très joli stat pour une carte qui coûte seulement 20 000 crédits, franchement à tester, après il n'a pas beaucoup en endurance mais personnellement si vous le faites jouer, comme moi personnellement je fais jouer ce genre de joueur là en remplaçant comme je le fais pour Maguire, ça peut être très sympathique. En tout cas les frérots, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Comme d'habitude, je compte sur vous pour laisser le petit pouce bleu qui fait plaisir, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, aussi la partager pourquoi pas. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao la famille!